Ce mardi 28 novembre, CIST sur Twitter que Matt Pokora s'est rendu pour révéler sa nouvelle activité, loin du monde artistique. Un défi de taille pour celui qui enchaîne les succès dans la musique depuis plus de 20 ans maintenant. Matt Pokora ne l'a jamais caché, outre la musique, le chanteur est aussi passionné par le monde du sport. Plus jeune, il avait même tenté d'entamer une carrière de footballeur professionnel. Je ne peux pas te dire si j'aurais joué en D1 ou en D2. Mais j'aurais pu vivre professionnellement du foot. En tout cas, j'avais le mental pour. Et on sait aujourd'hui l'importance du mental dans le sport de haut niveau, avait confié l'époux de Cristina Milian dans une interview accordée à Pierre Ménès dans l'émission Pierrot le foot en décembre 2021. Quand je fais mes tests physiques et cardio, les médecins me disent que j'ai les mêmes chiffres que des athlètes de haut niveau, avait-il ajouté, précisant que sa taille, jugée trop petite, l'a finalement empêché de réaliser son rêve. Néanmoins, il n'a pas complètement lâché sa passion pour autant puisqu'il ne s'empêche pas de participer à des matchs caritatifs, ou encore commenter quelques actualités footballistiques sur la toile. Matt Pokora, un passionné de basketball outre le ballon rond, Matt Pokora est aussi un féru de basketball. Celui qui n'a jamais caché son admiration pour LeBron James vient de le prouver une fois de plus en investissant à hauteur de 300 000 euros dans la SIG Strasbourg, le club de basket de sa ville natale. Son objectif ? Attirer de nouveaux sponsors et redynamiser le club afin de le rendre plus populaire dans le milieu du sport, comme évoqué ce mardi 28 novembre au cours d'une conférence de presse. Très heureux d'officialiser mon arrivée, en tant qu'actionnaire, au sein de SIG Strasbourg et de pouvoir m'impliquer dans la vie du club de ma ville. Hâte de me mettre au boulot avec les équipes, a déclaré la star sur Twitter. Une nouvelle activité dont il est particulièrement fier.